Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien. Parce que moi, je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Liberated Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Du nouveau sur l'attaque du camp militaire d'entraînement situé dans le désert. Suite à des défenses héroïques du camp par la police, la cellule terroriste responsable a été éliminée. Nous avons également reçu des rapports nous informant de la capture des terroristes responsables de la tragédie de Saint-Martin. Torture. Enough. C'est assez. What was it, huh? Pourquoi les gamins, le principal, ou est-ce que c'était juste un petit jeu malsain? Peu importe la raison, nous la trouverons. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai tout mon temps, mon gars, et une fois que tu seras brisé, on pourra travailler sur tes aveux publics. Tom, ne joue pas au héros. Évite toute cette souffrance. Il te suffit de nous donner quelques noms. Non, c'est dommage. On aurait pu s'entraider. Je reviendrai demain. J'espère que tu seras plus raisonnable d'ici là. Mary. Marilyn, Olivia, William, Jacob. William, Jacob. Emma, Charles, George, Anna. George, Anna. Good. Très bien, maintenant. Ils étaient sous ma responsabilité. Ils me faisaient confiance pour les protéger. Ils avaient toute la vie devant eux. Et des gens qui les aimaient. Ils étaient innocents, vous les avez tués. Et pourquoi du fric, du pouvoir? Au revoir, Tom. Que Dieu ait pitié de toi. C'est mort après l'école primaire.
Capitaine, vous m'entendez? Venez. On nous signale des explosions et des coups de feu, ils sont partout. Vous devez vous rendre immédiatement au centre de gestion de crise. Bordel, tout le bâtiment est piégé. Impossible, ils doivent avoir une tour. Capitaine, je peux vous voir via la transmission vidéo du sang. Je vais vous guider aussi loin que possible. Faites vite. Deux ennemis dirigent vers la porte. Il n'est pas préférable d'éviter les combats, vous pouvez vous cacher à des endroits marqués d'un Y. Il y en a deux qui se dirigent vers vous. Il y a un caché dans l'ascenseur. Bien derrière les placards. Je vois. Ils ont fait exploser l'escalier. Vous allez devoir passer par l'autre côté du bâtiment. Je reviens sur mes pas. J'ai mal compris. C'est peut-être... Non. Ok, c'était là. Il arrive depuis le parking, vite fait. Vous devez faire vite, capitaine. C'est certain que si je dois faire ça, je suis mort. J'ai pas assez de force dans les bras pour faire ça. Oh.
Ennemi dans la pièce suivante. Il y en a un qui se dirige vers la porte. Headshot. Deux plus à poche. Derrière vous. Attention capitaine, cet étage n'a que très peu de caméras, restez vigilant. Ennemi en approche. De côté du, à côté du distributeur. Ils sont là, ils ont dû faire exploser un mur dans le sous-sol, merde. Ils doivent avoir accès au plan du bâtiment. Nous sommes massacrés, il doit y avoir une taupe dans notre département. Je suis touché, capitaine, ce fut un honneur. Je suis touché. Voyons!
comprends pas ce que ça veut dire, là, l'affaire de se fermer. C'est comme ça qu'il faut faire ça, je comprends. Frère, t'es touché. Brother. Non. Mon frère, non. Je ne lui ai rien dit. Je ne leur ai rien dit. Je vais y passer, Tim. Je t'en prie, achève-moi. Tu ne mérites pas ça. Rien de tout ça. Ils vont payer. Je vais leur faire. Non, Tim, recherche pas. Vengez, promets-moi, pas de vendetta. Tous, la vérité doit éclater au grand jour. C'est tout ce qui compte. Tu as toujours été le plus raisonnable de nous deux. Il fallait bien. Goodbye, brother. Au revoir, mon frère. Au revoir. Goodbye.
un shotgun maintenant. Quand vous êtes toujours en vie, contactez-nous. Nous sommes échappés par un tunnel. Ils sont sur le pont, eux. Nos plus beaux pour manteau plus haut. Voyons, Rémi.
Bien. Yep, yo, what's up, my friend? Yes, sir. Quand tu cagères un mur, tu te rassasies plus vite. Suivi à gauche. Headshot. Toi, comment tu vas? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Se battre autant que possible, capitaine. Se battre autant que possible. Je suis mort. Ah non, ok. Plus manger que ramasser. Je me suis levé un peu tard, malheureusement. Je me suis levé pendant la nuit, là, j'ai mal dormi pour une fois, c'est rare. Je réfléchissais trop, puis j'ai eu mon réveil matin à 9h15 et je l'avais mis sur la mauvaise journée, fait je me suis levé à 11h, j'étais comme merde. J'ai joué à des jeux vidéo, j'ai dîné, c'est pas mal ça. Je suis avancé dans Chrono Cross puis dans Broken Edge. Frank! Frank, c'est moi, Chang! What? I thought... Non, j'ai cru que c'était. Qu'est-ce que tu fais ici, Chang? Je venais te voir et tout est parti en vrille. D'abord, le jeune homme dans ma boutique, puis l'attaque dans le désert. On doit parler de Saint-Martin. On ne peut plus garder silence. J'étais si jeune à l'époque, plein d'ambition. C'était tellement compliqué. Qu'est-ce que tu racontes, Chang? Chang, parle-moi, non, Chang, continue de parler. Ne te laisse pas partir. Les secours arrivent bientôt. Ne pars pas, je suis désolé, s'il te plaît. Je t'en prie, ne me laisse pas. Qu'est-ce que j'ai fait?
police. Liberated. Allez, on continue. Harry, je devrais te tuer sur place, mais tu ne vas pas le faire. Déjà, parce que tu n'as pas d'arme. Et ensuite, parce qu'il y a trois tireurs d'élite de Liberated qui t'ont en ligne de mire. Qu'est-ce que tu veux? Il est temps d'en finir, Frank. D'accord, ordonne le retrait des tireurs et on va régler ça à l'ancienne. Fais attention, si j'étais toi, j'éviterais de jouer les durs. Je t'emmerde, Harry. Dis-moi un truc. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous trahis? Parce qu'ils m'ont tout pris. Les surveillances constantes, la disparition de toute forme d'intimité, les pénalités gardant... Gargantuesque, tout ce qui a ruiné la vie de Mary... Ça l'a poussé au suicide. Nous avons tous pleuré Mary quand elle nous a quitté, Harry, mais ça ne te donne pas le droit de tuer des innocents. Ferme-la. Tu es autant responsable que moi dans cette histoire. Tout ça est de notre faute, Frank. C'est nous qui avons enseigné aux forces de police qu'elles étaient au-dessus des lois. Qu'il n'était pas possible de prouver des crimes, il suffisait d'inventer un délit résistant. Agent, agression de policier, troupe de la paix, peu importe du moment qu'on obtient la condamnation. Un danger potentiel restant un danger, non, la fin justifie les moyens. J'aimerais encore croire que nous avons de bonnes intentions, mais on sait tous de quoi l'enfer est pavé. Et n'oublions pas notre chef-d'œuvre, Frank, notre putain de coup de grâce. Derrière toutes ces fausses accusations, ces jugements douteux, se cache le SCC, un racket à l'échelle nationale possédé par les riches du pays. Et nous sommes les hommes de main de Cerbère au service de l'avarice, de l'ambition des prédateurs terrorisants, les personnes que nous devrions protéger. Mais qu'avons-nous en retour? Quelques médailles, une tape dans le dos, une belle augmentation? Nous sommes des hypocrites qui se cachent derrière la peur et des principes corrompus. Et jamais nous n'avons pensé à notre cher pourrait souffrir au système auquel nous avons contribué. Change a été le premier à ne plus le supporter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa retraite là. J'imagine qu'il n'aurait eu aucune chance contre nous. N'as-tu donc aucun remords pour la douzaine d'officiers que tu as massacrés? Tu n'éprouves rien pour les hommes et les femmes que tu as abattus dans le désert? Tu ne pensais quand même pas que nous n'allions pas réagir? Dans un monde où manifester est un crime, la violence est le seul moyen de régler les différends. Tu sais ça mieux que personne. C'est tout? Tu es venu ici pour me sermonner? Non, je suis venu obtenir justice pour révéler la vérité sur Samantha. Te souviens de tous ces éléments inexplicables durant l'enquête? Les véhicules du gouvernement faisaient des allers-retours de l'école quelques heures avant l'attaque. Les fausses alertes à travers toute la ville qui limitaient notre capacité d'intervention. Il y a quelque chose d'étrange dans tout ça, Frank. Il est temps pour nous de découvrir la vérité. Nous devons simplement trouver les bonnes archives à fouiller. Tu parles comme un cinglé qui croit à toutes les théories du complot. Tu as besoin d'aide, Harry. Arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tout comme moi, tu sais très bien que c'est grâce aux milliers de policiers que ce pays est encore debout. Tous les jours, les gens se lèvent et vont travailler. Ils déposent leurs enfants à l'école, vont faire des courses, vont voir un film et vivent leur vie. Ils ne se préoccupent de rien d'autre parce que c'est notre boulot. Ils n'en ont pas besoin parce qu'on est là pour les protéger.
L'alternatif est la guerre, le terrorisme, c'est ça que tu veux. Tu veux les priver de leur sécurité, tu veux leur voler leurs droits à une vie paisible, tu veux les plonger dans un chaos et l'incertitude. Notre monde n'est pas parfait, loin de là, mais je préfère celui que nous avons au cauchemar dans lequel tu voudrais que nous vivions. Tu peux me croire, Harry, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera armé. Je n'hésiterai pas à te coller une balle entre les deux yeux. Qui va se venger. Ça pue, ça. Un plan. Not at all. But what else can si, we do? Mais pouvons-nous faire d'autres? Ils nous ont après nous, n'intensifions pas nos efforts, nous y arriverons pas. Et c'est ce que Tom aurait voulu, tu sais. Nous devons juste espérer qu'une fois que tout sera terminé, les gens connaîtront la vérité et qu'ils décideront de soulever contre les autorités. Mais comment faire? Où est cette preuve? Et est-ce qu'on sait au moins ce que l'ange doit chercher? Aucune idée, mais mon frère avait foi en l'être humain. Il était persuadé que les gens soulèveraient face à une telle injustice si on leur donnait la chance de connaître la vérité. Et j'ai foi en mon frère. J'espère que tu as raison. Ouais, j'espère que ce gratte-ciel contient ce que nous recherchons parce que ça ne va pas être facile. Qu'est-ce que tu fais, mon Mr. Fly? J'ai vu que tu m'avais rejeté sur Twitter, merci. Et le 1 est bon. Mais il faudrait changer de place. 5, 1, 2, 3. Bon, le 5 est bon. Donc, le 1 doit encore changer de place. Le 5 est bon. Ah, plus haut. C'est le 1 qui est bon. Le 5 doit changer de place. Et le 3, donc. Voici le 3, 1, 4, 5. Je gagne sur encore. Donc, le code est 1, 3, 5. Pas ça. Et voilà. Cours, Forest, cours! Comment ça se passe de ton côté, Tim? Meg's already inside. Hurry up. Meg est déjà à l'intérieur. Fais vite. Fais tourner les communicateurs pour fournir assez d'énergie aux trois récepteurs. Ok.
Et voilà. Bombe activée, sors de là. Tu peux aller. Véhicule non identifié repéré au coin de 34 et 11. Squad car 17 here. Ici voiture de patrouille. On est sur le coup, terminé. À toutes les unités, un feu s'est déclenché dans la station de métro de South Park. Sécurité, la zone, et aidez les sapeurs-pompiers. Je suis sur les lieux, il n'y a rien ici, terminé. Restez vigilants, on nous apporte des échanges de tirs, des renforts et sont en route. Bien reçu, terminé. On dirait que Meg a fait plus fort que toi comme sérieux. On dirait bien, tu devrais te préparer, ça va bientôt être l'enfer ici. On passe au plan B. Ouais, bonne chance à toi, j'y vais. Avance dans le jeu. Toi, il est 19. Meg attire toute attention sur elle, tu devrais être tranquille. Ah, c'est le policier, ça. Essaye d'atteindre la salle d'archives souterraine. D'après la radio et la police, une petite armée est en route. Il est 21h, toi? 21h20? 19h20? On va devoir moins de temps qu'on pensait. Les amis. Protéger le bâtiment.
Sortez dans le but, rentrez. Maintenant, pose la bombe. Mets-toi à couvert. La police est déjà dans le bâtiment. Tim and the others are coming your way. Tim et les autres se dirigent vers toi. Your only way out is to blend into the crowd. Ta seule chance est de te fendre dans la masse de police. Oh, celui-là, je... J'ai réussi tout seul celui-là. Il doit pas avoir aucun mur de. Il doit pas rien rester tout seul de chemin, de délaine de One Way. Sens unique. Je suis dans la salle d'archives. Je ne vois rien d'intéressant ici. Non, il y a rien. J'espère que Meg a eu plus de chance de son côté. Plus de chance avec quoi? Plus de chance avec quoi, Jim? Dis-moi. Sale traître, c'est toi qui as placé les explosifs au commissariat? Calme-toi, parlant. Le sang de ces policiers est sur tes mains. Espèce d'ordure. Meg, réponds, j'ai plus de contact avec Jane. Je pense qu'il n'a rien trouvé, et toi? Hit the jackpot. Just give me a few jackpot, donne-moi quelques minutes. J'ai plus de réponse, il y a une balle dans la tête. We gotta hurry. Faut qu'on se dépêche, ils sont trop nombreux, ils bloquent les rez-de-chaussée. J'ai presque terminé, je l'envoie à Rick. Merde, il n'y a pas de connexion. Il brouille le signal, nous l'enverrons plus tard, allons-y. Les rez-de-chaussée est bloqué, il faut qu'on parte par le toit. Aucune nouvelle de Rick ou de Jane. Restons ici. Nous allons attendre que les charges explosent, puis nous allons compter jusqu'à 5 et tenter de passer de l'autre côté du toit. C'est ça ton meilleur plan, attendre? Si nous prenons notre connexion trop rapidement et que le signal à l'intérieur du bâtiment est brouillé, les charges n'exploseront pas. You're right, fine.
Tu as raison, il est temps d'improviser. C'est maintenant ou jamais. Freeze. Plus d'un geste, on ne bouge plus. Captain Frank Robbins. Nous avons trouvé les preuves. Nous pouvons démontrer que les attaques de Samantha étaient menées par les forces spéciales. Gardez ça pour le juge. Vous savez très bien que la vérité n'arrivera jamais devant le tribunal. Ils vont l'enterrer avant. Il est improbable que nous survivrons à notre garde à vue. J'emmerde vos théories du complot moralisatrices. Vous pensez vraiment que quelqu'un voudra écouter une bande de tueurs en série? Nous avons la preuve. Merde, les hélicos de l'armée. Trois cibles sur le toit. L'une d'elles est armée, elle tient les deux autres en joue. C'est peut-être un policier, impossible de confirmer. Monsieur 5, ça c'est hors des minés, confirmé, on ne laisse rien au hasard. Holy shit. On détruit le building au complet ou quoi? Connexion perdue. Liberated. Nous sommes les Liberated. On nous traite d'assassins et de terroristes, mais c'est le gouvernement qui a déclaré la guerre à son propre. Nous n'acceptons plus les mensonges et nous avons plus peur. Nous avons tous sacrifié pour partager la vérité avec vous. Ces documents révèlent la maladie dans notre société. Lisez-les, share-les. Voyez comment vos masters ont manipulé et deceived. Preuve de l'implication du gouvernement à Samantha. It's time to say no to the system. Téléchargez les fichiers joints. Ajoutez il y a quelques secondes. Oups, on dirait qu'on va avoir droit à un nouveau scandale politique. Sortez le popcorn! C'est de l'info, c'est sûrement encore un coup de russe marqué en tant que spam. Enfin, mec. Pas mal l'usage de Photoshop, les débiles, même pas grand-mère fait mieux. Ça fait 7 ans qu'elle est sous terre. Je ne connais pas, ça a l'air vrai. Mon oncle travaille dans une agence de sécurité et il disait toujours que c'était avec ce genre de merde qu'il s'en sortait à chaque fois. Partagez, likez. C'est un tas de conneries. Encore des saloperies anti-gouvernementaux créées par des libéraux. De merde frustrée qui refuse de reconnaître qu'ils ont perdu. Grandissez un peu, bande de camps, admin. Merci de bien vouloir supprimer tout ça. Par respect pour les familles des victimes, ils en ont assez souffert. Oh,
MDR 23, j'ai de fichiers, ouais, non merci, je vais attendre la sortie du film. C'est quoi votre problème à tous? Il y a des vrais trucs dans ces fichiers, téléchargez-les et voyez par vous-même, on nous ment. Attention, après avoir téléchargé les fichiers, mon antivirus est devenu dingue. Ne téléchargez pas ce fichier. Il contient des virus pour hacker votre ordinateur. Truquer des infos sur une attaque terroriste, quelqu'un devrait leur coller une bonne clé. Je suis certain qu'on leur a tracé leur adresse IP. Qui en est? MDR, l'admin a supprimé les fichiers joints. Quelqu'un peut me dire ce qu'il y avait dedans? Ouais, mais on s'en fiche. Pourquoi personne ne parle du match de ce soir? Vous avez pas vu un touchdown? Voilà un truc qui mérite la une. Votre réel historien modèle, votre compte système crédit, ce soir a été signalé pour non-conformité sociale. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Liberated, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!